Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, on s'est arrêté, c'est-à-dire durant ces deux guerres. Durant plutôt cette petite guerre en Sicile et la guerre que je prépare contre la Castille. Tenez d'ailleurs. Hop. Fini. Donc maintenant j'ai envie de voir, je sais que je suis assiégé quelque part. Donc j'aimerais voir les sièges hostiles. Non. J'ai cru voir qu'il y avait une rébellion, c'est pour ça. Oh mais Venise, mais aussi là, mais c'est pas possible. Alors, moi j'ai une petite préférence quand je donne les... Déjà, évitez de donner les comtés à des évêques, sinon vous avez la grande chance que ça arrive à... que vous perdiez carrément en fait. Et le problème c'est que je suis en train de me voir, mais... Bon, on va usurper ça. Je vais nommer lui. Il est où? Emmanuel va m'amener. Voilà, ici, faible. Je passe là. Non mais ça c'est des trucs qui sont chiants, mais waouh. Et voilà. Et voilà. Est-ce qu'officiellement le roi a disparu hein? Donc on va en profiter, hein. Comme ça cette guerre là va vite être gagnée, étant donné qu'on a déjà réduit ce pays là en cendres, faut dire ce qui est. Mais par contre ce qui va vraiment être le plus chiant, désolé d'utiliser le vocabulaire là mais c'est la vérité, ça va être pour récupérer en fait toutes ces petites villes qui... Oui, là je dis oui. Aller quand même. Où est-ce qu'on voudrait récupérer des terres? Dites-moi. Vous pouvez pas me dire là, mais... Allez, la Castille. Parce qu'ici, je vais bientôt... Je suis en train de tout récupérer petit à petit, donc ça ira. Hop, cette guerre est finie. Hop, hop. Merci d'être venu. Au revoir. Fini. Allez, hop. J'ai envie de dire tant mieux. Ouais, bon, il y a plein de guerres entre les Doges, mais bon, ça c'est toujours le cas. Dès qu'il y a des Doges, il y a toujours des guerres. D'ailleurs, Doge, c'est... entre guillemets, c'est le maire, en fait, d'une république, à l'époque. Avec Doge de Venise. Plus souvent on parle de Doge quand c'est des trucs commerciaux. Parce qu'on n'entendra pas parler par exemple de Doge de Florence. En tout cas moi j'ai pas souvenir. Après je peux me tromper, est-ce que Florence c'est pas une vie. Je connais vite fait l'histoire de Florence, quelques petites choses dessus, mais c'est vraiment pas là où j'excelle. Hein. Je vais pas vous mentir. Je suis quelqu'un plutôt qui dans l'histoire aime bien savoir d'ensemble après ce qui se passe. Bon, il y a bien évidemment des époques, moi j'adore personnellement tout ce qui est l'antiquité grecque. Pour la simple et bonne raison que ce qui était magnifique sous les Grecs, c'est que j'adore déjà tout ce qui était dieu grec. Hein. Je vais pas vous mentir. Et c'était la tolérance aussi avec dans tout ce qui était religion, parce qu'il n'y avait pas de guerre de religion à cette époque-là.
Dit comme ça, c'est ça peut choquer, mais moi je trouve que c'était ça qui était beau à cette époque-là, c'est que toutes les religions étaient acceptées. Vous aviez pas de querelle religieuse. Bien évidemment, il y a toujours eu des problèmes de religion, je dis pas le contraire. Et les guerres à cette époque-là, c'est souvent à cause des dieux, mais quand même, c'est. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Moi, je trouve que c'est. Si vous regardez comment ils étaient à cette époque-là, la société, moi, je trouve qu'elle était quand même assez évoluée. Bon, bien évidemment, il y a toujours des cas, des contre-exemples possibles à trouver, hein. Je dis pas le contraire, hein. On en trouve toujours, de toute façon, des contre-exemples. Mais d'une manière générale, et ça c'est vrai, d'une manière générale, ils étaient largement plus tolérants au niveau des religions. C'est un peu comme les Romains d'ailleurs au niveau de la religion, c'est qu'ils tous les cultes polythéistes, ils les acceptaient, sauf quand il y avait de la barbarie. Un mode, que vous diriez-vous que vous commencez en changeant de mode? Alors, perte 5 ans, gagner 5, perte 5 prestige, soit que ça en perte 5, gagne 5 en prestige. Je suis d'accord avec ça. Ça sert, moi personnellement, je pense pas que c'est. Je suis contre la mode. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, ça on va pas tourner autour du pot. Voilà. Bref, on avait commencé avec justement cette religion. Faut savoir que tout ce qui était. Druides ont été interdits sous l'époque romaine parce qu'ils faisaient des trucs barbares. Je vous laisse regarder qu'est-ce qu'ils faisaient de barbare, mais vous aurez votre petite idée dessus. Et justement, la religion polythéisme refusait tout ce qui était en fait les religions qui obligeaient les autres à en suivre qu'une en fait, qu'un seul dieu. Par exemple, la chrétienté sous l'époque romaine n'existait pas, ou plutôt quand il existait c'était conseillé de ne rien dire. Et hop. Je vous parle pas du nombre de personnes qui ont été crucifiées sur des croix par les Romains, parce que il y en a un grand nombre, hein. Mais justement, à côté de ça, les Romains étaient quand même beaucoup plus barbares quand même que les Grecs. Mais l'idée grecque derrière était quand même la d'être polythéiste sur les religions. Hein. Donc moi je trouve c'est beau. Voilà, y a plein de trucs. Bon, bien évidemment, comme dans toutes les époques, t'as toujours des trucs qui sont pas réjouissants. Hein. Même en France, on regarde différentes époques de France, il y a des choses. C'est pas forcément réjouissant, hein. Comme je l'ai dit, on a connu des époques où la France était exactement dans le même cas qu'Empire romain à l'époque, ou que l'époque grecque, hein. On peut pas dire qu'on n'est pas aussi barbare qu'à une époque, faut être honnête. On peut dire qu'on a évolué d'un certain point de vue, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on peut pas dire qu'on a vraiment très bien évolué. Il y a toujours des barbaries. Hop, truc de pèse. Machin. Et hop, voilà, vous devez me trouver, vous me péter. Et je vous remercierai par la suite. Voilà. C'est l'évolution, comment s'est passé des pays. Je suis désolé, c'est. Ah oh bah tiens. Qu'on parlait du coup, dégâts, défense. Bah voilà. Allez hop. Boum, voilà. Dès que vous êtes au corps à corps en fait avec la cavalerie lourde, vous voyez, vous massacrez les troupes ennemies. Ouais. Et pour chasser, c'est encore plus marrant quand vous êtes de la cavalerie. Mais il y a des rébellions partout. Ça, mais heureusement, c'est le problème que plus vous avez de trucs, en fait, plus c'est souvent que vous avez des. Voilà. Des rébellions, mais à outrance, mais c'est.
attendez. Je peux faire quoi, Aragon? Je peux revendiquer Aragon. Et pour quelle raison je peux revendiquer Aragon? Aragon. Attendez, Aragon. De par le fait que ma sœur est mariée au roi d'Aragon, je peux revendiquer Aragon. Eh ben, c'est compliqué, mais pourquoi pas. On fera peut-être une petite guerre pour ça. Hein. Je sais que vous aimez les guerres. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Hein, donc. Mais je pourrais profiter de ça quand même pour récupérer Aragon, un de ces quatre. Hein. Je sais pas pourquoi il m'envoie voir des guerres qui ne m'appartiennent pas. On va pas se poser de questions, on va dire que... Que je s'amuse avec moi. Bon ben. Alors, ça c'est fort quand même. Ça démontre bien que quand vous avez beaucoup de piquets contre beaucoup de troupes légères, même quand vous n'avez pas de généraux, ça marche très bien. Hein. Toi, ils étaient pas mauvais quand même. Ah, les piquets en défense, c'est une tuerie. Ouais, on a gagné, on a perdu 1600 hommes à peu près. De champagne, on va foutre lui. Voilà. On va même mieux. Et Barcelone, je peux revendiquer Barcelone? Je sais pas avec. Hop, on va revendiquer le Roussillon. Oui, on va grignoter petit à petit. Hein, pour ceux qui se posent, c'est ce qu'on va faire. On va. L'ennemi est très gentil avec nous, donc on va revendiquer morceau par morceau. Caserne. Hop, ici comme ça, au moins normalement il n'y aura plus de construction plus tard. Ici, l'écurie nous fournira beaucoup d'hommes en plus. Voilà, hop. Il y a quand même vraiment des guerres quand même qui sont simples. Non. Ah mais ça c'est intéressant par contre. J'aimerais savoir les héritiers de la couronne. Ah non, ça par contre c'est intéressant. C'est-à-dire que s'il me privilégie moi. Encore, tuer quelqu'un, faire un complot pour tuer quelqu'un à l'extérieur de mon pays que je peux récupérer après le bordel. Le titre, tout ça, moi je veux dire quand vous voulez. Mais tuer quelqu'un qui dont le titre m'appartient déjà dans mon royaume, ça sert à rien. Bon d'ailleurs, roi de Norvège. Ah, je peux indiquer là-haut si j'ai envie maintenant. Donc voilà, encore une victoire. Bon, bah, comme il veut, hein. Laponie. Donc ici, à part la religion qui manque ici un peu, qui est encore assez chrétienne,
Bah évidemment ici, mais sinon toutes mes terres sont quasiment chrétiennes, hein. Moi c'est bien. Suivez tous la même religion et il n'y aura pas de guerre. Enfin, moins de rébellion plutôt. Voilà, valeur de défense 10,8, c'est... Là, je peux normalement usurper le duché de Moldavie. D'ailleurs que normalement après je pourrais le déclarer la guerre pour indiquer ceci. Et ouais. Pérez. Voilà. Torski. Bon, on va continuer comme à faire tourner, sinon ça n'avancera pas. Belgorod. Yes. Oh, ça devrait suffire. Par là. Ouais, comté de Trapassi, c'est normal. Comté de Messine, c'est le même problème. Non, j'ai tout donné, c'est bon. Tout ce qu'elle a donné était donné en tout cas. Hop, on va gagner tout. Oh ma vie. Allez, on va lever les troupes. Je rembourse. Ça me va. Qui dit plus d'aide dit plus d'emmerde. Bon, excusez-moi du vocabulaire, mais c'est ça. Hein. Faites en sorte de plus avoir de dette et tout ira bien dans votre pays. Donc voilà. Oh mais c'est pas possible, il faut toujours se rebeller là-bas. Eh hey, mais même pas, je dirais. Moi je vous dis qu'il m'aime pas là-bas. J'en suis quasiment certain qu'il me déteste. Le 2, voilà. Bon, ici, il n'y a plus que ça à faire, glisse de joute, mais bon, c'est... Et boum! Surprise! Voilà. Ah, comme ça on a récupéré Roussillon. C'est très bien. Bon voilà. Et maintenant, la Pologne, ça fait un moment que je voulais lui déclarer la guerre, mais je peux pas parce que il y a la paix. Non, il y a mon os de levée là-haut pour Irbeck.
Et ben il est en train de péter, d'accord. Charger. Voilà. Ça va 10 fois plus de conchant. Donc non, c'est encore levé. Où ça? D'ailleurs, il reste combien de troupes à spé? Oh, du mule! J'en ai combien, moi? Attendez, attendez. Vous êtes prêts? Oh, 187 000! Ça va, j'ai pas de troupes du tout! La mine dernière, les gars, je pense à faire très mal. Très bien. J'ai bien envie de déclarer la guerre au Saint-Empire. D'ailleurs, là, je crois bien que je viens déjà de tuer 1000 hommes. C'est ça. Ah, c'était rapide. J'arrive, je suis déjà 1000 hommes. Donc, ça craint un peu, quand même. Pour les ennemis, ça craint un peu. Mais bon. Ah oui, bah maintenant on va faire ça. Venise change beaucoup de doge maintenant, je pense. Donc on devrait pouvoir facilement s'en occuper. Pise, il n'a toujours pas changé. Une fois qu'il mourra, je lui déclarerai la guerre. Voilà, tout, c'est bon. D'ailleurs, comment se passe cette guerre? Oui, roi de Bulgarie, c'est bon, abdique en faveur de lui, t'as perdu la guerre, mon vieux. Il y a des gens qui sont têtus, mais bon. Waouh. Ah, je traverse un fleuve. Bon, on dit quoi? Je gagne ou je perds? Donc, on commence les paris. Ceux qui disent que je gagne, ben... En fait, non. On verra bien. Je pense personnellement que je vais gagner, étant donné que mes troupes sont OP. Allez, hop. Et moi, je recherche toujours des technologies. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas croyable quand même, c'est... En fait, donc faut même pas combattre avec son armée régulière, faut combattre qu'avec les escortes, en fait. C'est bon, vous avez les escortes, vous gagnez la partie, en fait. Et hop, on va... Ah, on va... Eh, c'est à moi, voleur. On va refaire un peu de troupes, mais... Si tu veux, comme ça je peux te déclarer la guerre derrière. Raison, je t'aime pas ta tête. Voilà. Bon, on avait dit qu'il fallait que je récupère ici, c'est Messine. Non, on va... Il y a Gless qu'il faudrait que je récupère. Messine. Bon, on va commencer par Messine. C'est purement arbitraire. Voilà. Et voilà.
Non, tu viens ici, t'embarques dans la foule. D'accord, j'ai pas assez de navires. Pour embarquer 200 000 hommes. 20 000 hommes. Pas 200 000. Enfin oui, bientôt j'aurai 200 000, mais bon. Alors, il m'a été demandé qu'est-ce que je comptais faire avec mes vidéos par la suite. Est-ce que je vais continuer à faire des vidéos de ce style-là. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'aimerais devenir streamer. Voilà, je vais pas mentir. Streamer, donc... pourquoi pas streamer chez Millennium, ça serait une... Si je pourrais être là-bas déjà, ça serait une structure, ça serait pas plus mal. Donc je vais essayer de les contacter pour savoir si je pourrais obtenir quelque chose. Hein. Je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire comme ça, ça me ferait plaisir, mais bon. À côté de ça, j'aimerais bien aussi... j'adorerais être streamer comme je vous ai dit, mais j'adorerais surtout en fait commenter des événements e-sport. Quel qu'il soit, je vais pas vous mentir. Un parmi une homme que je vois qui pourrait m'aider à réaliser ça, ben j'en vois pas beaucoup pour vous dire. Donc il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo un petit coup, mais ça serait tout à fait expliqué. J'ai pas donné Palerme. J'ai pas donné Palerme. Si. Ça s'expliquerait par ça. Bon, pour l'instant, rien n'est décidé, hein, bien évidemment. Je suis en train d'essayer d'écrire le mail. Que mine de rien, il y a un format à mettre, je pense. Mais si jamais Millennium accepterait, ben je peux vous dire que moi je serais content, ce qui me donnerait ma chance de pouvoir devenir streamer et même après, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir. Et surtout de devenir après, bien évidemment, commentateur d'événements e-sport. Et là, je peux vous dire que ça serait sympa. Bien évidemment, c'est toujours difficile de concilier études. Et stream, mais moi j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de donner mon maximum pour pouvoir réussir ça. Hein. J'ai vraiment envie de me donner tout ce que je peux pour quand même réussir, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc après, bien évidemment, si je peux échouer, bon, dans ce cas, je partirai dans mes études. Hein, mais si je peux devenir là-dessus et vivre de ça, ben, je peux vous dire que ça serait génial. Bien évidemment, qui dit rejoindre une telle agence, dit bien évidemment que j'aurai des obligations envers eux. Hein. Enfin, obligations, entre guillemets. Qui pourraient peut-être mentir, mais bon, si jamais déjà je suis pris, ben, vous aurez déjà une vidéo particulière juste pour cette information. Mais vraiment, je vais pas vous mentir, ça... J'attends vraiment beaucoup ça quand même. J'attends vraiment beaucoup ça. C'est pas français, mais bon, je me comprends. Donc j'espère honnêtement pouvoir avoir assez vite une réponse quand même dessus. Ça me... Faudrait déjà que je me dépêche déjà de l'envoyer le truc. Ça serait peut-être déjà un début. Mais voilà, ça me tient à cœur, je sais pas comment je peux dire autrement ça. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire dans le monde du jeu vidéo. J'ai vraiment envie de streamer, de devenir streamer, tout ça. Donc voilà. Je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus que j'ai envie de faire autre chose, voilà. C'est vraiment ce que j'aime faire, c'est vraiment ce que ma passion, j'aime bien vous faire partager ma passion que j'ai du jeu vidéo, vous faire découvrir des choses. Et pouvoir au final avoir peut-être la chance, je sais pas.
je sais pas encore si j'aurai cette chance, mais si jamais je peux avoir la chance de vivre de ma passion, je vais pas vous mentir, je vivrai ma passion. Ça interviendra peut-être sur mes vidéos, mais... Voilà, on va dire, je regarderai comment ça se déroulera hein, par la suite. Mais évidemment, je pense que Dailymotion va bien évidemment devenir principal comparé à YouTube. Je vais pas vous... Ça, je vais pas nier du tout, parce que ça, je vous l'ai déjà dit depuis un moment. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que... Il va se passer quelque chose si jamais ils acceptent ce que genre... s'ils sont d'accord de... Patient. S'ils sont d'accord de me soutenir là-dedans. J'ai envie de dire, moi je suis vraiment heureux. Et j'espère en contrepartie aussi que je peux, que mon travail, si jamais je suis pris chez eux... que ça sera ça marchera pour les deux, vous voyez, que moi autant ça marche pour moi, que je me sente bien parmi eux et que eux aussi soient contents de mon travail et de ce que je fais chez eux, vous voyez ce que je veux dire. Donc on verra bien comment ça se déroulera hein. Mais bon, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Et on va s'arrêter aussi là pour cette vidéo, parce que ça commence à faire un peu long, je pense. Ça fait un moment que vous regardez, on a eu quelques guerres, je pense, sympathiques. On a fait une petite guerre ici, on a fini la guerre ici. La guerre de Pologne, donc maintenant, je pense que Rhum de France, je vais être aux 200 000 hommes, c'est ça. Donc, je pense que depuis le début de la partie, on a très bien progressé, donc j'espère que ça continuera sur ces roues-là encore un bon moment. Évidemment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et en tout cas, je vous dis que d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Et je vous remercie encore de me suivre depuis le début. Donc portez-vous bien et vive le jeu vidéo.